Alors, nous voici de retour pour notre quatrième vidéo de cette série sur la Finlande. Je vous ai montré les documents à la troisième vidéo, les documents qu'il faut fournir pour pouvoir avoir un visa de travailler en Finlande. Et ici, vous savez que je vous ai dit, la clé, c'est de trouver un contrat. Pour avoir un contrat, c'est il faut chercher un employeur. Ça ne va pas être facile, je ne vais pas vous mentir, mais persévérer, envoyer même 10, 10 à 15 demande d'emploi chaque jour, ce qui est sûr, vous allez avoir au moins un contrat de travail. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Comment trouver un emploi en Finlande? Je traduis en français pour que vous puissiez voir. Sur ce site, je vais vous laisser tous les liens en description des vidéos où vous pourriez aller regarder, consulter par vous-même. Je le fais tout le temps. Je t'invite, si tu es nouveau, abonne-toi, n'hésite pas. Alors, on va chercher par exemple un travail de serveur. Catégorie, bon, serveur, on lance la recherche, on va voir les différents emplois serveurs qui sont proposés en Finlande actuellement. Et ça cherche, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Alors. Il y aura un restaurant pour voir ce que ça va donner. Alors voilà, restaurant, serveur, restauration, simple place. Vous voyez, il y a les avantages, serveur, restauration. Serveur restauration, employé de restaurant, serveur restauration, employé de restaurant. Ça dépend de ce que vous cherchez précisément. Je vais prendre le cas de la restauration. Par exemple, si tu veux postuler à cette offre, ce que tu fais, c'est quoi? Tu cliques sur l'offre, ça te renvoie sur ce site. Job Market, c'est un site qui est pour les emplois. Ça va aller directement dans la boîte mail, les employés. Ici, tu as le nom de l'entreprise et l'adresse. Ça a été publié le 25-5-2023 et ça a été mis à jour le 29-5-2023. C'est récent, donc tu peux très bien postuler sur ça. Une fois que tu regardes, tu vois la description de l'emploi. Il est authentique, restaurant vietnamien et tout, établi quelques années. Nous offrons nos clients de goût vietnamien, vous voyez. Ils ont besoin de renfort dans leur cuisine, trois cuisiniers, afin que leur chef de cuisine puisse améliorer leur production. Voilà. Et il n'y a pas de barrière aussi pour la langue. Tu peux très bien postuler. Alors, si tu as envie de postuler à cette offre, qu'est-ce que tu fais? Voici les coordonnées de recrutement. Tu peux cliquer ici. Tu envoies directement ta demande à cette adresse mail. Tous les emplois que vous allez taper sur le site que je vous ai montré, sur ce site, ça va vous renvoyer sur cette page. Vous allez pouvoir copier l'adresse mail du recruteur et envoyer où? Aller directement sur l'accueil de ce site du restaurant. Ça, c'est le restaurant que nous avons vu, c'est le site. Tu vas sur contact et puis tu écris ton message et puis tu envoies. Voilà. Et c'est valable pour tous les emplois. Et ici, tu peux trouver l'adresse mail de l'employeur comme on a vu tout juste derrière. Comme ici, c'est l'adresse mail de l'employeur. Donc, je t'invite à envoyer ta candidature directement sur l'adresse mail qui est donnée sur ce site pour que ça aille directement chez le RH, ressources humaines de l'entreprise. J'espère que cette vidéo t'a encore plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous ai dit, ça va être une série de 5 vidéos, donc merci et passons à la suite.